Et bonsoir tout le monde. Alors, coucou Birded, coucou Nounours. Enfin, si je me souviens, enfin si je me trompe pas en anglais, c'est ça, Beer, c'est ours. Corbeau? Ah, Oui? Hervé, C'est toi qui donc! m'as acheté la moto? Merci infiniment. Quoi? La moto? C'est toi qui l'avais achetée? Ah oui, c'est moi qui l'ai achetée. Ah oui, bah donc elle doit être en fourrière, mais à ton nom. Pas de problème, c'est lui qui a payé. Ah, faut que j'aille prendre Oh, mon ça t'inquiète service. pas. Comment allez-vous? J'avoue, là, Il est en train de me comme dire que ça. peut-être que la moto d'hier, elle est dans la ferme. Non, non, mais où est-ce qu'il va là? Je sais pas où est-ce qu'il va. Pas de problème. Non, avoir acheté la moto avec le bonbon pour le montrer. Ouais, si on veut donner des pourboires aux honnêtes citoyens, sujets du roi, faut bien que je me mette en service, sinon j'aurai rien à leur donner, moi, aux gens. Ok, on rentre en monarchie. Comment ça, on rentre en monarchie? Ils sont où? Mais ils sont où? Ils s'entraînent! On va repasser au château. Problème. C'est Murène, il s'entraîne. Sportif, hein? Ouais, traître à la couronne! Traître à la couronne! Ah! Ah! Traître à la couronne! Ça aurait été bien, petit bûcher. Vive le roi! Et coucou. Bon, le rendez-vous, je crois qu'il est à... Je suis pas sûre. Il est je crois qu'il est au Yellow Jack. Ouais, vive le roi, vive le roi, vive le roi! Bon, pas bien vu, Dorothy. toi. Hey, dame de lit. Mi. Loyauté et service. Royauté et service à vous aussi, écuyer. Comment allez-vous? En Peut-être toujours. vont-ils? En vont-ils? En vont-ils? Pourquoi là? Oui, parce que Dolly, vous avez vu faire du sport. Très bien, Ah. très bien. Mais, très bien. Parfait. Rendez-vous à la taverne, non? Je crois qu'ils sont en train de tout préparer. Ils arrivent ici. Et bah, si c'est Ils ont déjà vraiment. préparé des voitures juste là Si à c'est côté. vraiment ici, Dolly va attendre. Eh ben, oui. Mmh. Enfin, je sais pas si c'est ici, ça peut être ici là ou ici là ou ici là-bas. Ah. Le prisonnier dort toujours. Oui. Faudrait qu'il se réveille à l'heure quand même. Hein. On lui mettra des coups. Ah oui, d'accord. Tout bien? Ouais. C'est sa voiture là-bas? Non, c'est des voitures que le Sénéchal a préparées. Je vais Il le y a château. plusieurs. Oh là! Ah, Ah, je suis au au château. château. Allez hop, descends. Vas-y, viens par là. À tes services. À tes services, Amirène. À tes services, dame de lit. Oui. Oh là! Non, c'est... Oui. Ah bah c'est une... Oui, c'est une façon de... Oui, hein. Ah, sportive, hein. Oui. Ah oui, toujours. C'est le méchant. Oui. Il est pas très beau, hein. Le service. Oh! Oh! Oh!
Ah ouais, j'ai pas entendu, c'est pour ça. C'est bon, j'ai entendu. Oui. Comment aller? Ça va. Ça va bien. Dolly espère pouvoir sentir l'odeur de la chair brûlée. Ah bon? Oui. Je veux pas savoir. D'accord. Le service, le Muren. Elle a été servie, un corbeau. Pourquoi je peux pas prendre? Comment va? Ah, c'est parce que je suis... Bon, elle est bien? Toi, elle est bien? Oups! Pardon! Ah bah oui, oui. Il paraît qu'il faut travailler la viande avant. Ouais, mais un petit marteau, ça a tendu. On peut pas ranger les armes en truc noir, là. Oh, le viande! Debout! Oui. Je peux appeler quelqu'un chez Carls pour qu'il vienne au château. Vous avez une famille? Je n'ai pas de famille, non. Parfait. Vous n'allez manquer à personne, au moins. Oh, Ludol! Je ne vais manquer à personne, effectivement. Comme le sénéchal Georges. Oh, attends, viens, on se l'échange comme une balle. Aujourd'hui, il manque à beaucoup de monde encore. Il est dans la mémoire de tous. Contrairement à vous. Après mes discussions d'hier, personne ne s'en souvenait. Ouais, c'est... Plutôt que les gens ne voulaient pas forcément vous parler. Vous ne devez pas savoir ces choses-là. Dire que Finn est en train de faire le achat de la voiture et après arriver tout de suite. Être déjà c'est la première fois que je te vois frapper Dolly. Ah oui? Ah ouais? Dolly est gentil. Sauf contre les vilains. Il est très vilain. C'est normal. Le souci, c'est qu'il n'a pas grand-chose à lui. Ça ne ferait pas un bon monstre. Peut-être ses yeux, mais ses crimes étaient trop grands. Bouh. Oh, décidément, il n'a rien pour lui. J'ai pris l'allure de la monarchie. C'est, tu veux dire quoi par là, exactement? Il essaye de nous insulter, mais il a pas de répartie. Oh, rien de spécial. Oui. C'est parfait. Pour toi, il marche pas très vite, bravo. On marche vite en monarchie. Bah, oh. C'est ça l'allure de la monarchie. Non? Effectivement. On court pour éviter les balles du roi. Le roi ne s'amuse pas à tirer avec un pistolet. Non. J'ai pas pris 6 balles de lui. Pour rien. Du roi, non? Le roi ne vous ferait pas honneur. Rares sont les personnes qui l'ont vu. Et puis je pense qu'il a autre chose à foutre que perdre son temps à tirer des balles sur une personne comme ça. Surtout, c'est qu'il a pas de pistolet. En général, il a plutôt des hélicos, des tanks, des trucs un peu plus gros, quoi. Ouais, un missile plus, Le roi, il a juste à claquer des doigts et puis... Il est difficile de juger quelqu'un lorsque cette personne a un territoire entier et plein de sujets qu'il aime et... Et vous, là, tout seul. Effectivement, le roi est très aimé, très très aimé. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas le baïonner? Bah écoute, on peut. Quand j'étais le maître, tu fais ce que t'as envie. Oui, mais Dolly veut pas le toucher. Voilà, mais après, tu nous le dis, puis on le fait pour toi. Vas-y, boum boum, je pense que ça lui ferait plaisir. Oui. On le baïonne? Allez. Comme le jambon. Une balle remplie d'ail dans la bouche. Je vais aller chercher la corde. Oui. Mais c'est pas bon, l'ail, hein. Mais c'est un peu comme si c'était un poulet qui allait se faire dévorer. On le prépare, quoi.
Oui, le Rudolf. Hmm. Le devant. Bah, normalement, on met l'ail dans les fesses du poulet, non? On peut faire pareil, hein, mais dans la bouche, dans les fesses. Vulgairement, comme on dit, vu qu'il dit que de la merde, sa bouche, c'est un peu ses fesses, non? Mmh, oui, c'est vrai. Mi. C'est Ariadne qui en sort, effectivement. C'est vrai, ça? Pourquoi il l'entoure autour de... Tu vas où avec la voiture? Dolly pense que... C'est lui, Rudolf, à l'entrée de le château. Ok, très bien. Oh, c'est pas grave. Le baillon, c'est autour de la bouche, non? Oui, oui. Mais il sera bien ficelé, comme ça, ça sera... Le baillon, c'est sur la bouche, Pom-Pom. Ouais, je vais parler un peu de l'hélicoptère. Ah oui, d'accord. Et comme ça, il le baillonne, comme ça, ça sortirait encore plus... Mais c'est baillonné, saucissonné. Oui. Hop. On pourra couper des tranches. Je voulais juste l'attacher avant. Oui, saucissonné et baillonné. Oui. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal, là. Comme ça, on n'entendra plus ce qu'il dit. On sait que ses paroles sont du venin, mais on n'est pas obligé de les entendre, hein, non plus. Oh, le venin, ça va. Hein. Oh, Igbos. On s'y habitue à force. Ah, bonsoir. Ah, oh, ils sont jolis, tes cœurs. Hé, hey, Drinkar, on va tuer quelqu'un. Et t'as vu, c'est la musique de Valheim. Attention, il y a une marche. Oui. Ah ouais, pardon. Oui. Ah non, c'est une pierre. C'est une pierre très carrée. Oui. Ah oui. Ah oui. Elle vous observe aussi. Les pierres. Tu connais la pierre? Observez-moi. Bah, je connais Pierre, les yeux. Oui, cailloux. Oui. Les cailloux. Cailloux. Oui, tu peux pas connaître. Celui des durs. Oui. Non, Dolly parle des vraies pierres, des rochers, de la terre, elle vous observe. Ah bon? Oui. C'est pour ça qu'il faut lui faire des calais, des fois. Oui. Calais. Ah. Comme ça. Oui. Oula. Calin. Oui. Il se marre. Je l'ai entendu rire. Ouais, faut pas trop en abuser. Et en plus, c'est la terre du roi. Mmh. Pour chercher après les hommes taupes, c'est bien aussi. Et vive le roi. Et vive le roi. Mais les hommes taupes, ça c'est un peu des agents secrets. Hein. C'est juste qu'ils prennent pas très bien les ordres des fois et... On doit forcément faire disparaître certaines personnes et des fois ils se trompent. Pourtant, ils aiment bien Boum Boum, les hommes taupes. Oui. Oula. Oui. C'est quoi ça? Oui, et bah c'est... Il doit avoir un truc avec Lord Jayern. L'ADN de Boum Boum. Oui, peut-être que dans sa famille il y avait des gens qui étaient recherchés. Activement. Ça doit être ça, hein. Le roi. Oui. Peut-être, oui. Ou alors, vu comme il se tient, c'est Boum Boum qui recherche activement, mais on sait toujours pas quoi. Oui. Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi il vous recherche? Oui. Oui, pourquoi? Pourquoi on te recherche? Je sais pas. Qui recherche qui? En tout cas, il y avait des sirènes derrière qui semblaient vous rechercher. Oui. Derrière qui? Comment doit-il faire la sirène? Vous le faire? Ah, elle s'est beaucoup entraînée. Oui. Ça s'entend. Oui, hein. Moi j'ai une question, moi, pour Dolly. Oui. Quoi, les sirènes faire moins bien que Dolly? Ah bah ça... C'est... Eh bien, en fait... On dit... La légende raconte... qu'en fait... à force... d'être à l'air libre, et les sirènes, elles étaient plus assez dans l'eau, et du coup leur voix, ça s'est asséché, et du coup elles faisaient... alors que Dolly, elle a l'habitude de l'air, voilà. Ah bon? Oui. C'est pour ça maintenant t'as les jambes. Ouais. Elle est où la duc du Sénéchal? Oui. Hello, Dolly a jamais dit que c'était une sirène avant. Boum Boum pense à quoi? Il pense vraiment ou il fait semblant pour être impressionnant devant le méchant? Je pense à en fait... Oui. Je me dis que... Oui.
Oui. Je sais même pas comment en fait on pourrait oui. Le punir. Parfois il y a des crimes qui sont compliqués quand même. C'est. Dolly l'aurait bien. Le sénéchal a bien demandé de le mettre dans la duke, c'était ça. Ah bon? Je sais pas. C'est pour savoir si j'ai bien entendu. On met vraiment le vilain dans la duke? Oui, parce que j'ai besoin de l'emmener encore faire deux trucs. Il y aura son odeur dedans. Et peut-être même sa sueur. Il est déjà monté de toute façon. Oh, enlève-lui le scotch aussi. Voilà. Il a qu'à. Il avait qu'à être plus sympathique. Avec qui? Avec tout le monde. Oui. Avec le sénéchal. Surtout. Ah bon? Bon, même si j'ai pas connu le sénéchal Georges. Mais... Ah oui. Il était sympa. Oui. Mais. C'est vrai, vous l'avez connu. Il avait une belle voix. Oui. Vous avez gardé ses cordes vocales? Non. Ah. Il y a certaines personnes, faut pas les mutiler. Ah bah oui. Oui. La scène est chaude, par exemple. Oui. Bon, après, ça c'est Dolly qui se donne cette règle-là. Hein, parce que faut quand même essayer d'avoir des limites, hein, sinon... sinon c'est compliqué. Et si la scène est chaude, veut vous faire don de quelque chose s'il est mort? Ah. Oh bah... Ah. Bah disons que ça sera certainement un honneur et ça sera pas à n'importe qui. Alors faut que ce soit un monstre exceptionnel, un named. Vous allez récupérer la ZR et Royauté et Sévices. Oui, Royauté et Sévices. Vous allez récupérer la ZR. Moi, il y en a un autre qui prend là ici, qui vient avec moi chez Cars. On va vendre ses voitures. Et puis ensuite, je passe à Paletto pour aller à la banque. Ouais, je vais prendre là ici. Je vais l'avoir oublié, la ZR. Dolly, reste là alors. Le panier de la salade? Non, le panier de la salade, ce sera après. Non, mais prenez une ici et puis on vient de gagner avec vous. Muren? Oui. Conduisez, Dolly! Ah, très bien. On va où? Au Cars, on va suivre le sénéchal. Ah, mais faut pas prendre les voitures? Peut-être qu'il faut prendre les voitures pour les vendre. Il nous a juste demandé de le suivre. Il faut prendre des voitures pour les vendre? C'est déjà fait. Non, c'est bon, on a les plaques et on a les clés. Ah, d'accord. C'est bien, vous arrivez à me reconnaître parmi les gendarmes. Oui, la démarche. Ah bon? Oui. Assez fluide et sensuel. Contrairement à la conduite. C'était très... Vous m'avez perturbé. Ah oui, d'accord. C'est plutôt fluide ou sensuel? Sensuel qui... Les deux. Ah, oui. Les deux dans la même phrase. Oui. Il y a Paris qui va te placer en face du comptoir. Il peut pas parler, il est baïonné, hein, mais c'est pas grave. Il a pas besoin de parler de toute façon pour ce qu'il a besoin de faire. Oui, avec un ballon d'ail dans la bouche. C'est pour le préparer comme un poulet. C'est toujours de bonnes idées, Madame Dolly. Ça donne faim, quand même. Ah oui. Qu'est-ce que ça donne faim? Reste en face, pour l'instant. Derrière, là. C'est pour faire un poulet à la broche. Comme ça, il sera déjà un peu prêt. C'est moi qui récupère l'argent, quoi. Je te laisse lui faire signer. Est-ce qu'on va le faire tournoyer sur une broche? Comme ça, il crame d'un côté, puis de l'autre doucement, et puis de l'autre côté, puis encore de l'autre côté, et puis ça retourne encore. Oh. Et puis pour l'attendrir, on peut faire un baillon à la gousaille. Manège. Manège. Je regarde un truc dans ma boîte à quand je reviens. Ouais. Une fois que vous avez récupéré la ZR,
Ce serait bien d'aller rendre petite visite à qui vous savez. C'est qui vous savez? C'est celui qui a pas de nez? Et qui est chauve? Super, merci. Pas de nez et chauve? Non, pas de nez. Celui qui n'a pas de nez et qui est chauve. Ah, ok. Non, celui dont on ne dit pas le nom? Peut-être. Bah, on ne sait pas écrire le nom parce qu'on ne sait pas comment ça s'appelle. Ils sont là, ils vous attendent. Ok. Eh bah, tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah on passe à Paléto. On va à Paléto. Oui. On va à la banque. Ok. Ah, y a tes services. Allez, en voiture. Comment ça, qui je veux te savoir? Celui qui a envoyé des messages tout à l'heure là. Demande à Boum Boum, il sait. Boum Boum, tu sais savoir de qui je parlais? Attention, attention à Corbeau. Ah bah oui. On va pas écraser un gendarme. Attention derrière. Ouais, j'ai compris. Le gens la ferme, oui. C'est ça. Pas de problème. Bah moi, attends-le. Recherchez la boîte à gants et la boîte à gants grand. Sensuel. Ou alors c'est Boum Boum qui ne sait pas ce qu'il cherche dans une boîte à gants. C'est très possible, ça. Wouhou! Ah, voilà, voici le l'échelle de Dorothy. Boum Boum, retour à zéro. Très beau drift. Okay. Et merci, je m'entraîne. Venir sur 10. Ah, 8 Mi. D'accord. Ouais, vous savez quoi? Allez plutôt au galop, tant pis. Ah. C'est 21h donc. On va suivre le sénéchal pour pas qu'il soit tout seul avec le prisonnier, on sait jamais. Oui. Sur l'espace, on va voler les voitures. On va où du coup? Vous allez directement au galop. Ah, j'ai oublié de vous faire mon rapport de hier, parce que hier il s'est passé des choses. Ah oui? Ah bah, il y a Nils qui a quitté l'écart pour je ne sais pas aller où, mais il m'a dit qu'il en avait. Il s'ennuyait? Il s'ennuyait bah, tout le temps rester debout, à rester à faire du surplace. Oh, il a mal à ses pieds. Oui. Et il y a un nouveau patron à la ferme. Non. Ce n'est plus il a les cheveux verts? Non, c'est Ina. Oh! C'est la douce? Et son mari, mais celle la patronne. Ah, mais ça a toujours été dans les couples, hein. C'est connu. Hein. Oui. C'est un peu comme les rois, hein. c'est souvent les dames hein, qui finalement gèrent un peu tout. Bah, sauf avec notre roi. Enfin. Oui, tout à fait, oui. Oui. Ina, donc, oui. Oui, Ina, elle est patronne de la ferme. Ah. Donc voilà, c'était la grosse nouvelle. Donc c'est elle qu'on verra les lundis soirs. Bah, elle était déjà là parce que Jérôme avait pris un peu de vacances ou un peu de retrait. Et maintenant il est là, il est toujours là, mais... Il n'a pas le temps pour la responsabilité. Voilà, il a dit je vous nomme patron et lui il est, il fait ce que Ina faisait avant. Oui, finalement. D'accord, ils se sont échangés les tabourets. C'est ça. Ce qui est pas plus mal. Oh bah oui, pour des personnes qui sont là plus présentes, oui, ça marche mieux. Bah. Oui, non, c'est... Oui. Je me suis trompée entre R et F. Oui. Ah. Oui. Oui. Ah. Il y a rien ici. Il y a rien ici, d'accord. Tata. Oui. Envie de vous dégourdir les jambes? Juste de vous surprendre. Pour voir. Pour tester vos réflexes. 10 sur 10. Parfait. Il va chercher un sandwich. Bah, petit creux, hein. D'un côté, il est assis à côté d'un monsieur qui a des gousses d'ail dans la bouche. Ça peut donner faim. Je sais pas où il a été. Alors, c'est tout droit. Et ça sera dans l'angle à gauche, après les pompiers. Oui, mais je pensais que ça aurait été plus assez qui était au milieu. Normalement, c'est là. Voilà. Ah oui. D'accord, il était assez. Il a déjà fait les courses. Je voulais que la super édition avait fermé. Ah bah... Ah bah du coup, c'est plus là. Oui, c'est celle du milieu. Il y en a une juste ici à droite, mais je sais...
C'est ça qui me semblait bizarre. Hop là. Je t'enlève ton baillon. Ah. Allez. Oh, il a jeté la gousse d'ail, c'est dommage. Ah. Ça doit être horrible d'avoir ça dans la bouche. Quelle horreur. Ah, j'avais pas vu, merci Stitch pour les 4 bits. Ou Shear. Ou je sais pas trop comment on appelle ça finalement. Je vais appeler ça les médicaments. Merci pour les 4 médocs. Le dernier repas. Et bienvenue à Bewask. Je suis désolée d'avance hein, si je regarde pas tout ce qui se passe sur OBS. Et Coco Pantera. Pantera. Waouh. Mille médocs. Ah, quoique non. Merci beaucoup. On va en avoir besoin un peu après. Ah mince, comment je fais pour faire des emotes comme ça? Direction la banque. Bien reçu. Merci beaucoup. Faut pas, hein, n'hésitez pas à ne pas le faire, je veux dire. Hein. C'est, j'ai un travail. Non, c'est pour. Je suis pas streameuse pro, gardez vos sous. Juste, hein. Mais c'est très gentil, c'est très aimable. Et de lui. Mais oui, oui. Et sinon, ça va, vous? Ah, ça va bien, et vous, Dame Dolly? Ah bah ça va. Très bien. Y a du soleil. Dolly aime bien le soleil. Mais Dolly, elle aime bien la pluie aussi. Dolly aime bien la pluie. Vous aimez bien le soleil, vous aimez bien la pluie. Oui, vous aimez ou les deux. Les deux, ça fait des arcs-en-ciel. Dolly aime beaucoup. Ah oui. Et la neige? Ça donne envie de créer des arcs plein de couleurs et de transpercer tous les vilains avec. Et de les tuer avec plein de rayons de couleurs. Comme des lasers. Oui. Piou, 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 piou. Si c'est avec un arc, ça fera pas piou, piou, par contre. Ou avec les yeux, hein, pour leur transpercer l'arme. L'âme. Transpercer l'âme avec les yeux. Oui. Les tuer d'un regard. Tel Cassiopée. Oui. Ah bon. Oui. On y revient à ces histoires d'écailles, au final. Oui, effectivement. Oui. On avait déjà parlé d'écailles avant. Oui, les sirènes. Ah oui. Bah oui, faut suivre un peu, hein. Retour au château, c'est pareil. Ouais, moi je vais dire que le collet est bientôt arrivé. Ouais. Je veux dire qu'on a fini de le préparer. On l'amène. Il y a du monde. C'est très gentil, Pantera. Bon, après, il est très simple, hein, mon RPA. Oh là 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 là, ça fait bizarre en première. Un sandwich, c'est sympa comme dernier repas aussi. À l'ail? Ah bah, à mon avis, il doit avoir plus à goût d'ail qu'autre chose, vu. Vu son baillon. Ouais, je n'ai pas. Dolly est un peu triste. Comment ça? Pourquoi ça? Elle aimerait bien voir le roi à ses côtés lorsqu'il y a des événements aussi sanglants. Ah oui. Et en son honneur. Dolly aimerait bien le regarder quand il voit le spectacle. Voir le roi heureux? Oui. Mais il veut pas se montrer. Bah, vu ce qui est arrivé au dernier roi, c'est peut-être... Oui. Je fais un passage par la ferme. J'ai quelqu'un à voir. Très bien, je vous suis. J'ai un boire à manger, si vous voulez. Il y a une moto là qui s'en va. Le taxi. Non, une moto. Je vais pas voir le moto. Ah, laisse tomber, elle est partie tout droit. Tu peux essayer de la rattraper, mais je sais pas si tu y arriveras.
Ah ouais. Vaut mieux rester avec le sénéchal. Ouais. Je vais juste faire le tour ici. La priorité, c'est la famille. Oui. On ne sait jamais si c'était un peu arrêté ici. Surtout qu'on n'a pas suffisamment d'indications pour poursuivre une personne, ça se trouve. Oui, surtout une moto, ça peut se faufiler partout. Bah oui. La ferme, il n'y a personne qui répond aux appels, donc on rentre au galop. Ouais, pensez que la ferme, toute la ferme est ici. Hein. John aussi, il est là? Ouais, ouais, il est là, oui. Ah non, c'est le Jérôme qui est là. Muren, c'est bon, tu es en train de rentrer? Je suis derrière toi. Ok. Oh là, le gros camion des durs. Waouh! Vous avez vu la voiture du dépanneur là sur le caillou? Avoir caillou? Double doublage! Oui. Du côté du garage. Le long de la route vers 110. Ah, puis moi je suis en haut. Ah, oui, il est en haut! Ouais, c'est qui là-bas? Pas le Durette, regardez, prends le orange. Je vais te dire. On va demander à Caillou. J'ai l'impression que c'est Marius. C'est Marius. Ok, tu vas descendre. Bon, vous partez avec le panier à salade. Allez en voiture, dans le panier à salade. Et tu montes à l'arrière. Dolly? Oui. Pour expliquer ce que j'ai prévu, pour avoir un avis quand même, parce que j'ai pas pu en discuter, je me suis dit qu'un petit lâchage public, ça pourrait être rigolo. C'est-à-dire qu'il y aura du monde? Il y a déjà des gens? Bah oui, 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 il y a plein de monde. Le parking a été plein. Donc, moi je pensais faire payer les gens pour avoir le droit de le taper. C'est le Marius parce que. Payer? Parce que les directeurs le bannissent comme ça, de Yellow Jack. Comme ça on récupère un peu d'argent. Donc restez le caillou pour rester pour loin tout, et pour les veuves, c'est pour la veuve du sénéchal. C'est vrai. Mais Marlène, j'ai besoin de toi. Oh, oh, j'arrive. Oh, duchesse. Pour voiture. Oui. Ah, parce que j'allais sortir le gros camion. Dolly. Oui. Tu peux prendre la Duke et y aller? Tu crois que tu peux le faire ou pas? Non, sur Dorothy pour redresser sa voiture. D'accord, oui, bien sûr. Dorothy, tu peux faire un appel s'il te plaît? Dolly a pris normalement. Voilà. Grand Chanura, c'est pas loin des 15. Ouais, effectivement. Et moi je suis. Dolly arrive, duchesse. Elle va faire du rentre-dedans. J'aime pas les dukes. Je sais pas les conduire. Directement au yellow, à Sénéchal, avec le panier à salade. Oui, je oui. Je ne sais pas les conduire. J'ai l'impression que ce sont des bateaux, ces voitures. Elles sont trop longues. C'est ça. Je suis pas à l'aise avec.
une fois que vous êtes sur place, vous lui mettez les menottes. Hein. Et que les gens puissent pas s'approcher de lui pour l'instant. Ah oui, elle est là-bas. Dolly arrive, éloignez-vous. Merci. À derrière. Oh! D'accord. Ah, oh, waouh. Il manque des ailes. Il manque des ailes. Ah, elle a disparu. Je reste pas trop loin parce que je sens qu'elle va se faire. Elle va se retourner encore. Retournez vers le panier à salade que je puisse manœuvrer. C'est trop gentil le bruit quand faire le reculer, faire bim, bim. Tu vas faire boum, 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 c'est meilleur. Ah, le monde. Dolly qui conduit. Oui. Oula. Doucement, doucement le Dolly, pas de problème, doucement. Sénéchal, il faut fermer votre voiture, Dolly n'a pas les clés. Hop. Oui, ça serait mieux quand même. Oui. Bien, Dolly. Dans l'euphorie, bien. On sait jamais. Ah, qu'est-ce qui a sorti la voiture? Parce que c'est pas moi non plus qui ai les clés. Ah, mais c'est pas Dolly, du coup... Qu'est-ce qui a sorti la Duke? Ah, waouh. Bon. Ah ouais, c'est moi. J'avais oublié. Plus de couettes et... Oh, waouh. La couleur. Ah oui, comme Dolly voulait. Oh. J'ai trempé juste mes mèches dans le sang. Oh, et après secouer la tête sur les côtés comme ça. Ah, pour le panier à salade, il a sorti. Pour le trop-plein de sang. C'est moi, c'est pas grave. Oh, c'est beau. C'est beau. Oh, duchesse. C'est beau. Oui. Dolly, elle aime bien. En fait, ça me fait plaisir. Oui. En plus, j'ai encore un peu de sang neuf à me mettre sur la tête. Oui, et bébé, là, il y en a un qui va arriver, mais ça va être un peu cuit peut-être. Dolly a mis tout à l'heure un baillon avec de l'ail dedans, parce que comme ça, c'est pour le préparer comme un poulet. Mmh. Oui. Amenez-le. Il faudrait mettre une petite pomme dans la bouche. Il faudrait que tout le monde le juge en pointant du doigt, comme ça. Ce soir, vous allez pouvoir nous aider. Et je sais que certains ont des comptes à régler. Alors, ce que je vous propose, le juge du doigt, c'est un petit lynchage public. C'est que chacun à votre tour, vous passiez, vous ayez le droit de lui mettre un coup. Retirez son linge. Un seul, oui. Ah, après, moyennant quelques centaines de dollars, on peut s'arranger. C'est moi que je vais faire le facture si vouloir faire le dos pour le roi. Faire le queue, là-bas, et faire chacun son tour. Ah voilà. Faire plus que d'un coup. $500 le coup supplémentaire. Sinon, vous pouvez toujours le juger en le pointant du doigt. Jugez-le! Attention! Jetez-lui des tomates à la gueule! Ah, pour ça, faudrait avoir des tomates, t'en as ramené? Moi, j'en ai pas. Ah non, pas les tomates de la ferme! Ah, la ferme, ils en ont peut-être. La ferme! C'est qui la ferme? Y'a Jérôme.
La musique ne va pas du tout. Jérôme, c'est parfait. J'adore. Je vais demander au comte de s'approcher. Je vais demander au comte de s'approcher. Ouais. C'est horrible. C'est vraiment horrible ça. Vous allez pouvoir commencer. Alors moi je vais reculer. Ça va mal finir. Putain, vous voulez lui retirer son baillon? Oui. Faut lui remettre. Pas les menottes. Oula. Ils ont pas attendu deux secondes. Oui. C'est beau hein. Là-bas, c'est meilleur. Ah, ouais, t'as pas mal au bras comme ça. Moi, ça, ça m'attire. Ah, comme ça, j'ai bloqué. Allez. Allez, je veux pas qu'il ait temps de parler. Tout cas, le dos. Écarte-toi. Fais attention, partir là-bas. Non, je vais remettre mon baillon. Ah, c'est Muren. Muren, écarte-toi, tu vas comprendre. Ouais. Dolly, toujours jugé. Et oubliez pas d'aller voir quand. Dolly juge toujours. Ouais. Oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment. T'as essayé le tour le supplémentaire. Attendez. Comment il a insulté. Voilà. Allez, au suivant. Et vous enchaînez là, soyez prêts. Oui, absinthe. Absinthe. Mais. T'es pas absinthe, t'es là. Ah, on va faire le tour supplémentaire. Avance. Ouais. Avance. Tu mets ça au nom de Jack. Avance. Jack. Ouais, pas problème. Ils peuvent pas le frapper en restant là. Jack. Et voilà. Parfait. Ah, Jack, comme pour ça, il a pas besoin de les jaunes pour pouvoir faire le tour supplémentaire. Le tour supplémentaire. Ah, t'as qui que j'en peux dire? Corbeau. C'est moi. C'est moi. Alors, c'est quoi le nom? C'est Angèle. Ouais, c'est ça. Ah, sinon prends, fais pas de facture, tu prends comme ça et tu notes. Voilà. Sinon, les factures, tu vas te faire chier. Ah, ouais, pas problème. Ouais, pour le roi direct. Ouais, non, mais on fera le truc après, mais prends comme ça, sinon ça va être trop long. Allez. Peut-être qu'il faudrait penser à. À utiliser un poteau portatif. Un poteau sur roulette. Oui. Alors, c'est qui le suivant? Comme ça, on les accroche dessus et on peut emporter le poteau où on veut. Oui. Oui. C'est vrai. Avec c'est un seau, au cas où s'il y a du sang, comme ça, on peut le récupérer. Ou des dents à récupérer. Oui. Est-ce que s'il perd des dents, est-ce que ce serait bien de les lui remettre après dedans? Alors, les enfonçant bien. C'est très difficile, hein. L'os de la mâchoire est vraiment très très dur. Ah, mais ouais. Ça peut faire une jolie torture. Alors, personne d'autre? Allez, bon, pas vraiment. Ah. Oui! Ouais, hésitez pas à insulter en criant, hein. Défoulez-vous! Ville quenouille! Ville quenouille! Le mot d'argent direct. Ah, c'est sympa cette histoire de quenouille là. Ah, de super. Oh, il a... Ah zut! C'est terrible quand même d'en arriver là. Attention, celui-ci c'est Abel. Oui! Ouh! Allez. Les coups des femelles, c'est toujours un peu plus. T'as fort, hein. Vous vous rappelez d'avoir reçu des messages de menaces de Evil? C'était lui. Ouais, bébure! Oui! 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 Comment vous allez? Ah, bah ça va. Oula! Bubur attend le bon moment pour mettre le plus gros coup de poing de sa vie. En visant bien, hein. Adoli peut aider. Non, je suis derrière Adoli, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Corbeau. Je t'aide mon gars, mais ton tour viendra. Ouais.
C'est le Charles. Ah, ça c'était ouais. Un os. Ah oui. Désolé. Mais c'est pas grave, il ira la broyeuse certainement après. Ouais, vas-y. Dolly ne le récupérera pas. Je sais même pas où il est. Alors attention, offre exceptionnelle pour 5 000 $, vous allez le retancher autant que vous voulez. Où est-ce qu'il est? Tant qu'il est debout. C'est vrai, ça il est où? Je crois qu'il est là. Il a fui. Lâche. Est-ce qu'il a un bouclier d'anti-lumière? Ah, ah mais non, il est là-haut. Jugez-le. Il est sur toi, là. Ah d'accord. Bouh. Il a essayé de fuir. Lâche. Nul. Comment ils ont fait pour le mettre là-haut? C'est... Oula. Cette position. Si tu veux, ah oui, impressionnant. Oh là, il part encore. Ah, bah attends, regarde-le pour l'instant. Ah là là. Ah, il se mouvoie bien, le salaud. Hein. Mi. Ah bah écoute, pas de soucis, t'as vu le corbeau. Ouais. N'hésitez pas à l'insulter, ouais, bon. Même pendant ouais, la... les soins. C'est bon. Ah, je crois qu'Ado aussi. Oui, je lui ai déjà dit que son tour vient. Vois avec corbeau, c'est lui qui gère. C'est moi que gère la caisse. Dorothy, tu veux participer? Ok. Ça, c'est c'était la disqueuse des durs, ça. Ah non, elle t'a blessé. Bon. Toi, c'est gratuit, évidemment. Est-ce qu'il est prêt à l'usage? Il va pas mourir comme ça, c'est trop facile. Pas très résistant comme punching ball. Faudra qu'on ait discuté aussi avec John. Je te laisse regarder un peu. Tu vas comprendre. C'est le chat, boulot machin. Oh, oh là, pardon. Ouais. Ah bon, voilà. Oh là là, c'est... ils étaient amis, non? Très certainement, hein, pour oui. Autant de... Oui, oui. Ah, ça se voit dans la façon dont ils donnent des coups de pied. Ah. Ah ouais. Toi aussi, Dolly, t'es un juré 2? Oui. Ah oui. Ah totalement, hein. Ah oui. Ah c'est très prenant, hein. Enfin surtout lui. Enfin c'est lui qui prend tout du coup, mais il... oui. Pas vouloir. Alors, à qui le tour après? Allez, bah tu peux y aller. Ah, c'est le petit coup de pied à la fin, là, des petites Dolly là. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle? Ah, Dolly ne sait pas, mais elle aime beaucoup. Ah, ouais. Les petites Dolly, ouais. Ouais. Les petits coups de talon là. Tiens. Ouais. Oui. C'est le Sénéchal, pièce bise, oui non. Dolly aime bien parce qu'il y a aussi des gens qui le frappent qui n'ont jamais connu le Sénéchal Georges. C'est là où on sent que les gens sont très liés ensemble. C'est beau. Pas tomber. Y'a personne? Bon bah du coup, Dolly juge. Pas connu le Sénéchal, mais pour le principe, je le remets très bien. Ah bah, il y en a plein qui l'ont pas connu et qui lui en mettent. Oui. Je trouve que tu tiens encore trop debout. Attends, recule. C'est vrai qu'il tient bien le bout, hein, putain. Oui, hein. Après ce qu'il s'est pris, moi, je... Oh,
Ah oui, ah, là oui. Ça va être compliqué là. Balle dans le pied, tu vas voir à quel point ça fait mal. Voilà, il a des positions très étranges. Tu croyais quoi, que t'allais mourir comme ça, simplement? Allez, c'est parti. Ne touchez pas au pied, hein, faut que ça saigne. Hein. C'est pas fini, hein, les enchères qui vouloir. Ouais, enchères maintenant. Vous avez toujours le coup gratuit, hein. Un coup gratuit qui vouloir. Allez, allez. On peut pas faire des promos, un coup acheté, un coup gratuit. Là, peut-être. Ah. On va peut-être motiver, hein. Deux achetés, non, pas deux achetés, non, mais dans le faire l'impact, un acheté, un gratuit. Ah. J'ai entendu, c'est meilleur. Ou deux achetés, trois gratuits. Donc ça, ils en achètent deux. Ou dix achetés. Non, c'est trop, c'est trop là. Non, tu peux y aller avec les points, y'a pas de problème. Ah, allez, pour appuie-toi sur moi et relève-toi. Avoir un gratuit. Oui, bah, non, deux, trois achetés. Ah, bah, deux. Oh là. Ah. Oh là. Bah, qui fait. Bon. Bah, oui. Mais bon, tu l'as cherché aussi. Vive le roi. Coucou, gros. Bah, il retombe. Ah. Et puis là, venant du docteur le plus mou des trucs, c'est quand même... Est-ce que Dolly veut participer aussi? Aïe. Oh. Dolly n'aime pas trop la violence, mais pourquoi pas? Pour le Sénéchal. Oui, d'accord. On n'est pas encore pour mon argent, relève-toi. Ouais, mais si Dolly veut couper un doigt ou quelque chose... Mince, pardon, excusez-moi. Allez, sac à merde. Oh, me dis pas que tu peux pas tenir sur une jambe, t'es léger comme tout. Ah bah il est juste à côté. Comment vous, mademoiselle Edoli? Oui. Oui. Allez. Bon. Ça va aller. Ça va, moi, bon, tranquille. Oui, ça va aller. Bon oui. Là. Ah mais j'ai pas entendu. Il était bien chez nous, il était bien. Non, il va se remettre. Je suis dans les voitures, les gros. Voilà. Avez-vous quelque chose à dire? Un petit pardon avant de mourir? Oui, il est baillonné, mais il regrette rien. Oh bon, peut-être un oui ou un non, juste, hein. Un pour oui et deux pour non. Peut-être qu'on sera clément. Il a rien à se faire pardonner apparemment. Est-ce qu'on sera clément? C'est qui Clément? Comment c'est qui le Clément? Jamais. C'est toi, le Clément? Est-ce qu'il mérite la clémence? Ah. Non. Pas toi Clément. Qui crève? Ah oui. Je crois qu'il a pas compris. Je vais chercher. C'est toi Clément. Il cherche Clément. Il a quand même un sacré coup de pied, un sacré coup de poing. Non. Ah non, il ne faut pas être proche, hein. Bon, on leur dit en plus de s'écarter. Du coup, reprendre le marché. Deux coups achetés, un coup l'offert. Bah ouais, ou... Il y a des gens qui risquent leur vie. Il cassait une côte. Il y a des gens qui risquent leur vie pour le peuple. Deux coups achetés, un coup l'offert. Qui vouloir? Vous êtes qui pour faire ce genre de choses? Vous êtes qui? Vous n'êtes pas de famille. Pas d'amis, la monarchie c'est une famille. Vous n'êtes rien, rien du tout. On vous crache tous dessus. D'ailleurs Dolly va arrêter de vous vouvoyer, vous ne méritez même pas ça. Tu n'es qu'une merde. Oui. Oh, putain, comment ça va? Allez, à mon tour. Ah bien. Oui hein. Elle a essayé d'employer une voix très adulte et très responsable. Mais c'est pas facile, hein, quand même. Ça m'a intimidé. C'est vrai? Ah mais non, faut rester, du coup. Oui, c'est vrai? Tu m'écoutes? Dolly va faire comme les gros, elle remet son chapeau, maintenant. Tu vois tes deux doigts, là? Oh,
Dolly a un petit peu mal. Elle va aller voir les trucs, elle a un peu. Ça fait bizarre vous entendre dire des mots comme ça. Oui, hein, oui. Oui. Mais des fois c'est vrai quand même. Comme ça, tes deux doigts. Mmh. Mmh. Hey, vous avez un bon coup de pied. Oui. Ah, Dolly a mal au poing. Oui, il en a pété deux. Oh, je peux lui péter les deux autres de l'autre main. Vas-y. Très bien. Ah, je vais faire les deux autres. Fait La droite, donc, ma préférée. Dolly a très mal au poing, ça fait mal. Ah oui, je m'occupe de ça. Oui, ça fait mal. Ça commence à chauffer, à faire vous comme ça sur les poings. Vous aurez deux pansements pour le prix d'un. Oui, ça commence à gonfler. Et là, les gants commencent à gonfler parce que. Ah, bah oui. Alors, on va mettre un petit peu d'air. Être mieux, hein. Oui. Comme ça, ils sont tout propres. Oui, enfin, faut. Oui, faut pas gonfler sous la jupe, hein, attention. Non, sur vos poings et têtes. Oui. Dolly est désolé hein, d'avoir mis un coup. Doc, je crois qu'on a besoin de. Qui est pas grave. Panneau. Ah oui. Ah. Bon, oh là là, qu'est-ce qu'il fait du bruit lui, quand même. Lui encore faire du bruit. Oui hein. Oui hein. Ah bah. Oui hein. Oui. Deux doigts, ça pardonne pas. Hein. Oui. Tellement la maison. Il fait ça bien. Hein. Et on peut faire des doigts de pied. Voilà, ceux qui arrivent au trac de la monarchie. Ah bon ceux qui trahissent le roi. Cool. Si vous faites les doigts de pied, il faut pas faire les petits doigts de pied parce que de toute façon, en vrai, ils servent à rien. Ah oui mais c'est comme les trucs. Les hommes pourraient. C'était pas des légendes urbaines il y a 20 ans, ça. Ah, vous croyez que c'était des légendes urbaines Bah, ça dépend. Vous avez combien de doigts de pied? Vous en avez bien 4. Tu vouloir? Ah, bah non, 5. Comment ça, vous avez 5 doigts de pied? Tu vouloir? Par pied ou en tout? Toi aussi on t'a coupé un doigt de pied? Non justement, j'en ai 5. C'est comme les molaires maintenant, on les coupe. Oui, à la naissance. Moi j'ai 6 doigts de pied mais on m'a coupé un doigt de pied. C'est normal. Ah j'en ai dit, bon alors mais qu'est-ce que c'est que ça? Beaucoup parce que ça dépend d'où on vient. Ah vous coupez vos grelots? Mais non, les doigts de pied. Non, il disait qu'il en avait 6 à la base et que du coup maintenant il en a 5. Mais moi j'en ai 5. Quoi, des grelots? Mais non, des doigts de pied. Des doigts de pied. Oui d'accord. J'aurais pas aimé l'apprendre. Ouais, c'est comme, le taper. C'est comme les dents de sagesse. Bon, maintenant plus personne n'en a, mais. Exactement. Mais c'est normal, on est tous avec 6 orteils à chaque pied. Crevette. Non, j'en avais 5 à la naissance, j'en ai toujours 5. Oh là là. Oui, mais crevette, toi, déjà adulte, t'es foncé. Hop là, remballe ton stylo. J'aurais besoin d'un petit truc, s'il vous plaît. Encore ? Ah, faut que je me mette loin. Comment ça va, Pichon ? On n'arrête pas de parler de toi, là, ça fait une semaine. On a regardé les clips à nouveau de Loles où tu te trompes de prénom pendant le mariage et tout. Il y en a quelques-uns dans la clinique qui te connaissent pas forcément, mais en regardant les clips, ils ont tellement rigolé. Et je te vois sur Steam des fois, tu joues, mais t'es pas souvent là. Et, j'ose plus trop venir t'embêter, oui. Je me dis que tu dois avoir plein de choses à faire. Oh, c'était pas très drôle, j'ai mis un coup de poing et il a volé. Volé ? Oui. Ah, faudra peut-être qu'il donne des cours à Corbeau alors. Apparemment, Corbeau, il veut voler. Ah bah, il va plus avoir beaucoup de temps pour faire des cours. Ah, faut que le cours soit express et tout de suite, là, en 5 minutes, hein. Oui, mais j'espère qu'il aura vite ton diplôme, du coup, Corbeau. Ah bah, ah, s'il est bon élève, oui. Un petit tampon sur son petit papier, là. Oui, avec Validated. Oui, oui. Validated. Accepted. Ou OK. Validated. Oui. Ah oui, OK. Ou juste un V. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le brûler? Ça serait bien de le brûler. Par exemple, là-bas, il y a un barbecue. Il y a déjà quelqu'un qui s'est brûlé accidentellement, mais là. C'est encore un gros barbecue. Bah oui. Non, mais je pense à ça. Mais sur les papiers, ils devraient mettre nos têtes à. Les têtes d'essai des chauds. Attends, on va le casquette les jaunes. Et peut-être vouloir. C'est vrai que ça. Oui. Pour dire OK. Ok. Mais c'est comme les panneaux. Il y a un panneau là-bas, c'est dit. Être heureux pour le roi, c'est ok. Oui. Ah, mais du coup, Dolly voit juste le thé des trucs. Ah oui, non mais pas là. C'est un peu plus grand. Ah mais d'accord. D'ailleurs, le concours de dessin, il se termine vendredi. On va pouvoir... embaucher plein d'ouvriers pour faire le collage des panneaux. Oui. Ah ouais, oui, c'est oui. J'ai hâte de voir.
Dolly va vous envoyer les images des dessins et vous allez choisir, mettre des notes, dire si c'est accepted ou pas. Ah oui. Oui, parce qu'il y en a qui sont limite okay. Limite des fois. Celui-là, il est ok. Oh, ok. Oula. C'est dommage qu'il n'y ait pas de. Le Charles, c'est bon pour le monsieur Lacassette Jaune de coup l'acheter un coup le gratuit. C'est bon, un journaliste payé. Pour filmer ce moment moi, mémorable. Ah oui? Oui, moi je les ai contactés la dernière fois parce que y avait des. Là, les spécifiques ils faisaient n'importe quoi. Mmh. Du coup, je me suis dit, allez, hop, on va communiquer un peu là-dessus. Et ben, ils ont attendu au moins une semaine avant de commencer à en parler. L'affaire est ah oui, oui, d'accord. Une fois que tout était terminé, quoi. Pas ok. Ah non. Non, faut mettre les pouces vers le bas, du coup. Ah, je sais pas comment on fait. Ah. Bah, faut le dire, alors. On le fait et on dit pouce vers le bas. Ah oui, sinon on peut juger, oui. Comme ils faisaient les gladiators. Gladiators. Oui. Spartacus. Ah. Ah mais d'accord. Oui, ils faisaient ça. Oui, c'est assez prenant, on s'y croirait. Hein. Ah oui. Il manque une fosse, quelques lions et puis le brigand à l'intérieur. Bah, oh, mais c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait une fosse avec plein de lynx. Mais oui, il faut une fosse avec des lynx. Je voudrais vous demander, je sais que Marius n'est pas très bienvenu avec les événements qui s'est passé récemment. Oui, c'est un traître. J'ai entendu dire que lui aussi il a eu des problèmes assez sévères avec cette personne. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait au moins venir assouvir quand même sa vengeance? Juste un court passage. Bon bah s'il est traître, t'appeler traître, ça n'a plus pas faire. Peut-être t'as raté. Oui, c'est vrai que ça devient compliqué cette histoire. Hein. Ah, ouais moi, ce qu'on m'a dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Hein. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le Robert là-bas, là, il doit taper aussi Marius? Logiquement, là, c'est armes égales, c'est deux traîtres. Je sais pas si c'est encore assez en forme. Après, il a trahi le roi et la garde. Donc. Du coup, faut que Marius soit au même niveau. Du coup, faut que tout le monde passe sur Marius. Histoire que d'équilibrer le combat. Mais alors du coup ça serait une brochette. Oui oui. Ça me paraît bien, bon barbe. Ah bah merci monsieur. Il va mettre son ami. Les gros, je vais y aller, c'est le moment. Moi je veux pas connaître. Bah oui. C'est pas grave, je peux y aller quand même. Il va s'en vouloir, non? C'est pas du tout le résultat qu'il voulait. Oui je pense. Oui. Mais faut savoir être ferme avec les gens. Oui. Et puis parfois, faut savoir ne pas demander, tout simplement. Hein, quand on n'est pas à sa place, qu'on fait des erreurs, on réclame pas. Et voilà, c'est tout. Mais il vient nous demander directement à nous, tu te rends compte? Et puis en plus, et pourquoi ce serait pas lui en personne qui viendrait demander pour lui-même? Plutôt que d'envoyer son sbire. Manquerait plus que ça. Bah oui. Mais t'imagines, tout le monde vient faire ses doléances au roi, directement. Bah oui. Ah bon, il était doléance? Où ça? Dolly est pas prête. Bah c'était une sorte de doléance là. Oui c'est vrai ça. Cette musique qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe. C'est parfait. J'adore. Mais oui c'est un traître. Il commence à dealer dans tous les sens. Il a essayé de fuir. Il a très mal parlé de la garde. Oh, il transpire, il a... Oh le jerrycan. Ah oui, autour du poteau. Il n'y aura plus de lumière, là. On va faire venir les ouvriers dès demain. Amenez-le ici, accrochez-le au poteau. Alors... les ouvriers... devant la taverne... pour réparation, éclairage public. Il y en a beaucoup des travaux par jour quand même à la marche. On dirait pas comme ça. Hein. Ah bah oui, c'est un peu une attendante, hein, Dolly. Entre toutes les barrières qui sautent.
Réparation lampadaire. Très bien. C'est bon. Est-ce qu'il y en a qui veut... Ah oui, moi je veux bien. Tu veux le faire ? Oh non, avec Dorothy, sinon... ça serait quand même le bouquet. Sinon, je sais que Aldo voudrait très énormément. Ou tous les deux en même temps ? Ah, faut que ça soit symbolique. Vous faites en même temps ? Rendez mon main. Allez. Mettre-toi devant. Vous êtes sûr que plus personne ne veut le voir ? Parce que ça va être la fin. Je attendrai pas bouger. C'est bon, il est accroché. Ouais, c'est bon. Alors recule. Oh, mais il a bien pris. Oh, il a bien pris. Hein. Bravo! Vive le roi! Pardon. Bon, je vais dans le bon sens. Arrête, grelotte! Je bouge pas là parce que j'ai mon chat qui dans tous les sens. Et qu'ainsi périssent tous les traîtres à la monarchie. Oui, quel soir. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? De quoi? Là, bah rien, ça y est, c'est fini. Alors, ça fait du bien? Oh oui. Heureusement qu'il y a de la justice quand même. Bah oui, heureusement. Bah oui. On va pas laisser ces sacripants. Pourquoi il se déshabille ? Oh, il va faire popo. C'est dégoûtant. C'est bon. Juste pas marteau. C'est donc ça l'expression chie dans le cou ? Vidéo, si les chales, ça va l'éteindre. C'est une expression. Apparemment, oui. Je croyais qu'on disait chier des bulles. Mais, si mais non, mais. Coup, mais des bulles, pour ça. Du coup, il va faire des bulles. Bah. Ça dépend si le docteur est malade et que c'était un peu trop mou. C'est vrai que ça faisait un bruit un peu bizarre quand même. Ça ouais, semblait un peu liquide. Hein. Moi, j'aurais même dit un peu sprayeux. Oui, faudrait qu'il mange du riz. On a ça ? Je pense qu'il a mangé trop de ratatouille. Ah peut-être. C'est vrai que ratatouille brochette tout le temps, peut-être au bout d'un moment. Oui. Bah s'il mange que des brochettes, là, c'est sûr. Oui, ça peut travailler au ventre un peu. Briques, hein. Je pense que bah, c'est même lui qui doit aider les ouvriers, il doit fournir des briques. Ah peut-être. Pourquoi il y a le... Pourquoi il y a Hadès ? Oh, c'est au cas où. C'est pour pas vanner. Ah oui, d'accord. Ça rangeait toujours des consoles. Ou au cas où si le jerrycan ne fonctionnait pas. Oui. Ah oui. Très belle soirée. 10 sur 10. Cette musique. Non mais ça va pas du tout cette musique. Attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Attention. Attention, attention. Ah, attendez, oh là là. Ah bah c'est à lui de faire attention. C'est parce que moi je vais pas vouloir crever son pneu, je vais pas savoir qui être. Moi je sais pas non plus, mais il a qu'à faire attention. Ah ouais, mais c'est pour ça. Si lui est chez toi, apparemment crever son pneu. Ah bah ouais. Et plus c'est de l'affinité à avoir. Oui, allô. Que faisons-nous du corps? Pas approcher, je vais faire pipi dessus. Approcher. Oui, mais apparemment, il y a un docteur qui a fait popo. Ah, je veux pas savoir. Je veux pas voir. Peut-être de l'autre côté. C'est le docteur Bébert au niveau de la tête. Ah ouais, non, moi, c'est à côté de la jambe, moi. Mais, et Dolly pense que ça vient de là, l'expression chier dans le cou.
Ouais, dedans. Ah ouais, c'est meilleur. Comment ça, c'est meilleur? Hein? Déjà. Non, rien. Moi, j'ai rien dit. Oh, oui. Alors, Dolly va noter un cuillère combo. Aime bien le caca. Moi, j'avais pas dit ça, Dolly. Hein. Dolly. Waouh! Oui! Oui? J'avais pas dit ça. Monsieur, t'es en train de dire que Dolly était en train de mentir? Non, non, peut-être qu'on voulait mal exprimer. Peut-être, oui. Ouais, j'avais dit que c'est meilleur de chier dans le cou, pas dire que le manger. Ah, d'accord. Et tu vouloir. Alors? Je sais pas si vouloir. Mieux. Allez, j'ai encore besoin de toi. L'acte. J'arrive. Et pas le manger. Ah oui. Oui, ça change tout. Tu veux savoir que je vais faire le chasse et l'oiseau? Comment ça? Comment ça? Parfois, Corbeau tue les animaux du roi et de la monarchie? Oh, mais c'est quand j'ai avoir faim. Et après, j'ai appelé la ferme, personne ne veut venir. Mais il y a des sandwichs, il y a des brochettes, ouais, bah, et de la ratatouille. Bon. Moi, j'ai avoir le nouveau sandwich. J'ai acheté le pain là à Pou. Et après, peut-être donner vendeur à la ferme. Enfin, moi, je donne et la ferme vendeur. Vendre quoi? Le sandwich s'appelait Corbeau. Aïe! Faut pas toucher aux animaux! Faut pas toucher aux animaux! Ils sont mignons! Non? Non, moi je mange. Ah, mais c'est pas possible! Non! Ah, mais c'est terrible! Oh non, faut arrêter! Faut arrêter! Faut pas toucher aux animaux! Oui, oui, on touche pas aux coyotes! On touche pas aux corbeaux, on touche pas aux mouettes. Si je vois le pain, quoi faire? Eh bah, brochette. Les oies, c'est bon. Les oies? Oui. Bah, si elles sont déjà mortes et vendues à la ferme, oui. Ah, si elles sont mortes à cause de pas moi, c'est bon. Bah, si c'est fait par des professionnels à la ferme, oui. Ah ouais, non, c'était pas le professionnel, non. Mais c'était pas moi que j'ai avoir tué. Il faut protéger les animaux en monarchie. La monarchie est exceptionnelle parce qu'il y a des animaux ici. Viens voir. Ah, c'est le boum boum qui est tué. Après, oui, en Amérique, les seuls animaux qu'il y a, c'est... Bah, c'est eux. Non, je mange pas. Ils ont pas de vrais animaux. Avoir de l'Amérique, ah oui. Eh oui, il y en a beaucoup du coup. Mais nous, on a des vrais animaux qui sont beaux, avec des belles plumes et des beaux pelages. Il faut les garder. C'est la. Voilà. Oh, oh. Il faut les protéger. Protéger. Protéger, oui. Si un Américain qui les dégomme, il faut le dégommer. Ah ouais, c'est l'Américain. Pourquoi t'as dégommé? Comment? Si c'est la monarchie. Oui, je sais. Bah, faut leur dire qu'il faut pas faire ça. Faut protéger nos pourquoi animaux. Pourquoi toi taper et pas dire qu'il faut pas faire ça? Parce que Corbeau, c'est un écuyer. Il doit montrer le bon exemple. Parce qu'il a de la prestance. Je vais faire ça quand j'ai voir personne. Personne voir moi. Bah oui, mais c'est pas bien. Oh, il y a eu une explosion à l'aérodrome, oui, là. C'est vrai que... Oui, nous, c'est normal. Ah, d'accord. Comment elle fait pour faire des explosions aussi énormes, toute seule? Oui, c'est ça. Il fait facilement vous, c'est peut-être pas plus mal que tu. Je peux pas mentir. Ouais, finalement. Ah, d'accord. C'est juste ça fait un petit coup et... Oui, ça doit être peut-être un... En tout cas, ça fait de belles explosions, ça. Ah bon? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand j'avoir personne, je pouvais le faire si j'avoir faim. Il y a suffisamment à manger. Ouais, dans le ciel, oui. Avoir plein. Je vais pas toucher les corbeaux. Non, dans les magasins, il y a suffisamment à manger. Ça sert à rien de tuer les animaux. J'ai acheté le pain. C'est meilleur. Non, ça temps, sert à rien. La viande l'est cuit. Moi, je vais pas vouloir la viande l'est cuit. Pour ça, j'ai pas aimé quand la viande l'est cuit. J'ai mangé le faut aller à la ferme et demander de la viande crue avant qu'il la traite. Ah bon? Oui. Et acheter la poule pain et faire le sandwich. Bah oui. Un tartare. Ah, sandwich tartare. Tartare? Ça peut se proposer aussi, hein. Ouais. Mais tartare, c'est quand la viande elle est pas chauffée. Ah bon? C'est un peu comme le cannibalisme, mais en direct, enfin, quand on n'a pas le temps de cuire les gens. Ah ouais, ça j'ai mangé ça c'est bon. Mais ah bon? Ah non, Dolly aime pas trop, c'est un peu dur. Ah bon? Mais c'est souvent la viande un peu grasse en plus, enfin ça dépend qui. Ah non, je vais faire bien attention avec mon machette.
Je coupe mais... tout le grain à côté. Oui. Oh. Aujourd'hui, elle aime pas du tout. Non. Moi, tu voulais quelqu'un qui était accroché là. Allez, bah elle est là. Ah, c'est lui là. Mais il ressemble plus à grand chose. Il est un peu crème. Attention, il y a du caca là au niveau de sa tête. Il y a du pipi au niveau de son... Oh, oui. Oui. Faut pas trop s'approcher. Hein. Il est. Il s'en prend trop la viande brûlée. Je vais te le taser, tu vas voir. Ah, c'est beau la camaraderie. C'est pas la bonne personne. Oh. Ah oui. Il a pris cher, hein. Oui. Il l'a mérité. Enfin, Dolly, c'est pas s'il a mérité ça. Dolly aurait dit plus, mais. Tu l'as dit, mais t'as ta moto à la fourrière. Qu'est-ce qu'il a fait, Louis? Je suis arrivé hier, je sais pas tout ce qui se passe donc. C'était un traître. Il a fait du mal au peuple. Il a persécuté les sujets du roi. Tous les gens qui sont derrière, ils les ont insultés, ils leur ont fait peur par des messages de frayeur. Et après, ils ont terminé en faisant du mal à un sénéchal gros. Ah oui, ils ont fait le mourir. Les sénéchaux gros, c'est ceux qui protègent le peuple et la monarchie de tous les vilains. Ça s'agissait. D'accord. Donc il a fait beaucoup de mal. Il a fait du mal et à la monarchie et au sujet du roi. Et au gros. Ah ouais. Il a aucun honneur. Enfin, il n'avait aucun honneur. Est-ce qu'il a fait du mal aux enfants, aux femmes et tout? Oh bah évidemment, parce qu'il a certainement tué des gens. Et ces gens avaient des familles. Ah oui, non, c'est vraiment sans pitié. Hein. Comme disaient les jeunes d'il y a quelque temps, il n'a pas de race. Ah oui, il n'a pas de race. Oui, oui. Ah bah c'est bon alors. Dolly n'a pas trop. Ben, le race, racing. Les gens comme ça, on leur découpe les membres un par un. Ah ouais, bah là, apparemment, il y a des doigts qui ont été craqués. Les deux épaules sont tombées. Ouais, il a pris cher avant de mourir. Ah oui. Ah oui, oh là. Ah oui. Oui. D'où viens-tu? Moi, je viens du bled. C'est quel pays ça? C'est Afrique, c'est continent Afrique. Afrique. C'est là où il fait chaud. C'est de l'autre côté de l'océan. Il fait chaud. Ça dépend. Si t'es au nord, il fait chaud froid. Et si t'es un peu plus au sud, il fait chaud. D'accord. Mais il y a quand même chaud dans les deux coins alors. Oui, il y a chaud. Ah ah ah, ah Dolly connaît. C'est comme une brochette au four. C'est mi-chaud, mi-froid, puis mi-chaud, puis froid. Ouais. Tu connais Michoui? Non. C'est qui? Tu connais pas le Michoui? On connaît Michel. On connaît Michou aussi. Vous avez, ah ouais, Michel le connard. Vous avez mouton ici. Mouton. Peut-être au ranch, mais du coup c'est pas trop chez nous. Non, on a des cochons. On a des cochons et des vaches. J'ai des cochons, moi je mange pas cochon. Mais si vous avez mouton, vous pouvez faire Michou avec le mouton. Vous connaissez un mouton qui s'appelle Michoui? Non, c'est une plat, c'est un plat cuisine. C'est un plat de cuisine. Bah pourquoi? Vous faites des assiettes avec des moutons? En fait, tout découpe le mouton. Oui, attendez. Dolly va s'installer pour réfléchir un peu. Oh là! Dolly va arrêter ça. Dolly? Non, Dolly va arrêter de réfléchir. Ça devait être ça le problème. Oh ouais, c'est ça. On va pas arrêter, oui. Des fois, faut pas. Ça fait fondre le sol. C'est ça. Tu veux trop de puissance. Tu prends le mouton. Pour faire une assiette en forme de mouton? Non, pour faire le méchoui. Oui? Mais tu prends le mouton. On peut faire ça avec un humain, parce qu'on parlait de cannibalisme. Attends, le méchoui, ça veut dire que faire un peu le choui, un peu le pas choui, c'est ça? Non, c'est pas à moitié. Ah, vous faites partie des gens qui font des choses à moitié. C'est pas bien. Faut faire toujours les choses avec le entier. Mais c'est pas à moitié. C'est comme ceux qui sont échoués. C'est des mecs échoués, c'est des méchoués. Ah, demandez le LRRM. Attendre, j'arrivais. Ah bah, il est parti. Tout le monde est parti. Ah, la caravane rose. Ah, je connais lui, c'est Gary. Oui. Gary, attention. Où allez? Oula. Ouais, c'est quoi être le méchoué, mais pas choué? Donc le méchoui, tu prends le mouton. Tu le bloques avec ton genou. Tu lui découpes la tête. Oui, oula. Pour vider son sang. Mais ça risque de le tuer quand même, non? Ben, faut le tuer. Oula, d'accord. Adolie n'aime pas trop après, ça. Oui, après, tu l'étends par les pattes arrière sur un fil à linge. Oui. Comme ça, il s'écoute bien. On lui ouvre le bide. Attends. Ah, d'accord.
tu lui coupes la tête, tu l'étends avec une patarie. Pas dire à attendre. Après, oui. Tu lui enlèves la laine. Oui. Ensuite, tu le découpes. Ah, d'accord. Avant, on le dépaisse et après, on le découpe. Bah oui, sinon voilà. Le sang, il va aller sur la laine et on peut pas la récupérer. Non, la laine, tu la découpes avant. Ah oui, comme ça, ça fait des tapis, on peut dormir. Dolly, elle aime bien dormir sur des peaux de mouton. Oui. C'est mieux encore que des tapis. Oui. Bah, je sais pas, ici, apparemment, il n'y a pas mouton. Donc, Dolly, j'explique juste ce que c'est. Ah bah, c'est le roi, hein. Le roi, il voyage. Hein. Ah d'accord. Peut-être oui. Tu peux importer mouton. Oui. Il a de la place. Il a un petit coffre dans son hélico privé. Son chat. Wow. Oui. Ah, mais s'il veut nourrir le peuple, c'est pas un hélicoptère, hein. Ah non, c'est sûr. À parler mal le roi. Faut qu'il ramène un cargo. Non, mais c'est vrai, hein, il va pas ramener beaucoup de viande avec un hélicoptère. Hein. C'est pas fait pour, par, hein, d'un par côté. Bateau. Il ramène mouton par bateau congelé. Oula. Ça risque de couler, mais ça, non? De où, toi? Non. De la monarchie ou de les Amériques? Il vient de l'Afrique mi-chaude, mi-froide. Je suis arrivé à l'aéroport hier, j'ai fait papier américain et puis j'ai trouvé travail ici. C'est un Américain. Quelle est la carte de la monarchie? Oh, c'est un Américain. C'est un Américain! Je vais pas lui parler. Oh! La voiture, elle a des dents! Ah, waouh! Elle a des dents! Elle a des dents! Attention, parlez tout seul! Elle a des dents! Oui? Toi aimé? Oui! Attends. Où est le bébé? Dolly aime bien son voiture. Et en plus, il y a une. Il y a le pic. Dolly aime beaucoup. Vous disiez quoi à la radio? Savoir où est le bébé parce que Dolly aime bien son voiture. Ok, je coupe un peu la radio, j'ai une réunion. Pas de problème. Je laisse mon poste. Il est où le docteur Bébé? Il est où le docteur Bébé? Personne ici, mince, mais il est où? Dolly! Oui! Que faire? Il y a personne à l'intérieur. Dolly cherchait le docteur Bébé. Où elle est? Dolly ne sait pas où il est. Bon, je suis en train de demander à... Ah, c'est lui le fameux mec là qui nous attend là. C'est Gary. Il est où, docteur Weber? Je suis en train de lui demander, justement, de demander. S'il est mort, Dolly prendra sa voiture. Ah. Oh, je peux comprendre. Elle a des dents. Il y a une explosion, je reviens. Ah. Une explosion? Apparemment. Zut. 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 Ah, zut. C'est bon? Zut. Et là? Ah! Vous voulez monter, Myriam? Ouais. Elle a des dents! Mais oui. Oui. Ça, c'est dingue. C'est une explosion, c'est... la duchesse de Roti? Je sais pas. Je sais qu'il y a Cross et Emily qui sont partis un peu en avance. Le docteur Cross? Mmh. Oui, il était assis sur la truc mobile. Ah oui, mais ça c'est parce qu'il y avait des dents, alors Dolly n'a pas vu. Ah oui. Que font ces gens? Je crois qu'ils ont perdu leur vélo. Ah oui, du coup ils les cherchent sur place. Dolly, t'es en radio? Oui. Ah bah y'a Corbeau qui te cherche, Dolly. C'est une explosion. On est au niveau de, en face du garage concessionnaire entreprise. Bon bah on arrive. Ouais, je suis parti avec eux dans un truc mobile. Il y a. C'est quoi ça? C'est un accident? Ah bah c'est une station service qui a explosé. C'est juste un accident, il y a pas de méchant. Oui. Il a pris conscience ou pas? Voilà, c'est ça. Rapidement, ouais, mais faut qu'on aille le traiter, là, les brûlettes partout. Ouais. Oh là là. Bon bah c'est la journée thème des gens brûlés. Hein. Tiens-le. Oui. Oh là, j'étais à la portée. Ouais, on va. Hop. Ok, t'as des bandages sur toi, Cross? J'en ai, moi. Vas-y, je le tiens. Hop. Voilà. Donc,
cacher tout ça là, parce que... On va salir tout ça. Ah, puis on va l'emmener à la SMS. Ah bah... Mmh. Elle roulera moins bien. Voilà. Oui. Peut-être monter plutôt dans la même voiture que... Ah, elle peut toujours être utile, mais c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Hein. Ouais, je te charge le deuxième. Oui, on va pas le faire comme ça, faire peur, hein. C'est à son sens qui a explosé. Ouais, c'est à cause de l'autre qui est rentré dans le réunion. Ouais. Lui dire le sortir, comment... Dans le réunion. C'est ouais. Quoi le réunion? Comment c'est un réunion? On parle nourriture encore. Ah. Non. Ah d'accord. Marlon est à la réunion à le Yellow Jack, oui, avec les autres. D'accord, et à réunion, d'accord. Et l'autre qui est venu rentrer dans la réunion. Celui qui parlait avec toi, dire le Michoui, mais pas Choui. Ah oui, mais il a pas le droit. Ah, la réunion qui est au fond dans la ouais, salle secrète. C'est pour ça, moi, okay. Moi ah oui, non, faut pas. Dire de partir. Ah oui, faut garder. Dolly, il est plus là. Faut mettre quelqu'un au niveau de la porte, comme ça personne ne passe. Faut ouais, faire un homme-porte. Ah. Rudolf appelé. Quoi vouloir? Alors, tout ce que j'ai compris, c'est que vous faites un méchoui dans une salle secrète. Oui, avec des histoires de réunion. Oui. Ah, d'accord. Des réunions de pommes. Avec des assiettes en forme de mouton. Mais avant, il faut le dépecer. Je vais quand même regarder si c'est mignon, ça, les assiettes en forme de mouton. Oui, hein. Si on en a plein, on peut les compter avant de dormir. En les jetant contre le mur. Ah, oui, oui. Non, la moto ne fonctionne plus. Ah, je pense que oui. Oui, c'est parce que Muren, il s'y connaît beaucoup en mécanisme. Oui. La moto ne fonctionne plus. Ouais, Dolly. Oui. Je te dire, devoir pas partir comme ça, on va faire peur. Hein. Mais Dolly fait bien ce qu'elle veut, oui. Personne ne donne d'ordre à part le roi, évidemment. C'est pas le ordre. Hein. C'est le conseil. Comme ça, avec tout le temps quelqu'un avec le Dolly. Mais après, c'est bon, le Muren est là. Ouais, j'ai pas le temps de prendre une voiture ou d'annoncer parce que j'ai dû vite monter dans la truc mobile. Oui. C'est pas Muren, c'est ça. Bon, je suis. Oui. J'étais pas content qu'il soit. Comment c'est une censure? Oui. Pourquoi c'est une censure? Après, la question c'est est-ce que Dolly aime le mouton? Ben non, vous avez dit il y a une censure. Oh, j'ai pas tout suivi. Mais vous aimez les censures, Dolly? Bon, on en a quelques. Dans des bocaux, oui. Bah, c'est très bon pour guérir certaines choses, des maladies, ça, etc. Oui, du sang, oui. Vous en avez pas au truc? Bah, j'en ai pas vu. Mais bon, comme on a des araignées géantes, vous savez, il n'y a plus rien qui m'étonne. Un nouvel hôpital, peut-être. Sensu. Viens, tu dois aller mettre dans le bocal. Et c'est frère. Non, moi je suis une murène. Ah, pardon, c'est mon faute. Murène, ça empoisonne. Ça m'empoisonne. Oui, ça empoisonne une murène, je pense. Tu vas savoir. On doit lui faire un petit dessin. Dans les murènes, tu vas savoir. Petite sensu. Ah non, j'ai pas plutôt avec un peu plus de noir. Ne regarde pas le dessin! Peut-être nous aller là-bas, non? Pas rester ici. Où ça? Oui, d'accord. On fait la course! Vous voulez que je vous ramène? Très bien. Ah! Ah bah oui! Montez vite si vous voulez conduire. Hein. Oui. Oh là là, ça se traîne! Ah, c'est vraiment terrible, hein. Vivement qu'on est tous des contendeurs. Oui. Ce sera beaucoup plus simple pour tous les trucs. Voilà. Oui, Dolly essaye de faire la course. Je vois ma vie défiler devant mes yeux parfois, c'est particulier. Mais elle fait souvent ça avec Dolly. Bah non, donc. Mais vous voyez beaucoup de choses? Alors, plus ou moins, mais c'est relativement agaçant. Et un souci de frein aussi, hein, quand même. Boom, clairement. Et vive le roi. Et vive le roi. Est-ce qu'on peut faire des drifts? On peut, mais vous allez surtout faire un tête à queue. Oh, bon, cette vitesse, ça va. Pas mal, non? Attendez. Parfait. Ah, vous l'avez retenté, très bien. Voilà. Non, c'était juste pour mettre un peu plus. Il sort de là avant que je l'enferme. Ah, super. Oui, hein. Pas que du RV, oui. Bien. Oui. Pourtant, elle était à fond, hein. Mais du coup, ça sera le genre de voiture qui irait très bien à Dolly. Faire attention, parce que la truc mobile pas aime beaucoup les ZR. Carrie. Il paraît, oui. Coucou, comment que ça va? Regardez, c'est vice, monsieur Gary. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et comment que ça va, toi, Dolly? Oh, mais ça va, ça va.
quand je serai nettoyé, ça commence à être un peu plus propre déjà. Bah oui, hein. On y voit un peu mieux, hein. Ah oui, il y a partout, j'étais obligé de mettre mon masque parce que sinon j'ai tombé dans les pommes. Ah oui. Allergie ? Oui, moi, c'est... Il y a de plus en plus, hein, des allergies. Oui, oui, c'est l'allergie de l'odeur, on va dire. La duchesse. La duchesse ? Comment il y a la duchesse ? Oh là là là. Attention ! Je savais pas qu'il y avait des duchesses. C'est Marlon qui se met ici. Ah. Dorothy se met là-bas. Oui. Elle est belle. Oui. J'ai des bonbons dans la truc mobile juste à l'arrière. Oui, 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 tu lui as vu ça. Bien joué. Un whisky, un whisky, trois whisky. Ça a bien pété. Oui, ça a commencé pas mal. Moi, je préfère l'avion. Oh oui, hein. Ah oui, ceux de Grapseed, ils sont pas mal quand même. Ah non, mais il y en avait un juste à côté, il a fait pouf, pouf, pouf. C'est pour donner à manger au corbeau. Ah, autant ? Oui. Ah oui, mince. Oh, j'ai tapé avec ma voiture et puis il a fait... Ah bah, il fallait pas qu'il soit devant aussi, forcément. Ah bah oui. Bah oui. Il voulait faire la course. Bah j'ai gagné. Ah mais... Il savait pas contre qui il jouait. Ah, oui. Du coup, il n'a joué qu'une fois. Il s'est dit, de toute façon, il n'y a pas de problème, je suis dans les airs. Là, j'ai pris une petite bâche, j'ai fait... Bah oui. L'entraînement dans les dunes... Twitch. Le résultat est là. Hein. Je me retourne peut-être, mais des fois, je touche. Eh oui. Et quand ça touche, ça coule. Oui. Et qui touche n'amasse pas moumous. Ouais, les mousses. Heureusement qu'il y a une bouche d'égout. Il met des feuilles. Oui, c'est ce que j'ai l'impression. C'est pas mal, hein. Faut rajouter un peu plus de feuilles à droite, hein. Il pourrait mettre un peu plus de sable. L'autre droite. Paris, oui, voilà. Il fait ça bien. Hein. Il y a plein de feuilles, c'est parfait. Qui raconte, Carbo ? Demande où tu travailles. Bah, je travaille à Garinette. Garinette. Il y a une entreprise, il apparemment, il dit que t'as un autre boulot à côté. Ouais, je travaille à la police aussi. Ah, à la police, ouais. Donc t'as raison. Ah, bah, c'est efficace. Et les services à vous deux. Bienvenue, bah oui. Ah, ils ont l'air efficaces, les pétés de toujours, hein. On va dire donc. C'est le châle. Oui. De savoir qu'avoir le réunion dedans. Non, je... C'est la réunion des motards. Viens, toi, emmenez-moi. Mais non, avoir le Marlon aussi. Ah, ouais, mais il fait partie du club. Bah, c'est un motard, hein. Ouais, c'est un bike crew. Ah, si tu veux savoir, je te dis, je mets des feuilles parce que, en fait, je nettoie le plus gros. Mais comme ça veut pas partir, et bah, je laisse des feuilles, comme ça absorbe tout, et ensuite, faudra juste enlever le réto. Mais c'est important de toute façon, hein. Ah, bah oui, regarde. Et puis c'est bon pour la nature. Ça fait de l'engrais. De quoi ? En plus, il y a eu plein de sang là dans cette zone. Oui, oui, oui. Et on le sait tous, hein, le sang fait pousser l'herbe. Oui, très bien passé. Ah oui, ouais, je savais pas que tu vas pas être. Du coup, j'ai pas assisté à la kermesse, mais. Ah ouais, c'est clair. Ah, c'est bourré de fer et tout, hein, le sang. C'est bien, ça. Je comprends vous méritez, mais allez, pas trop mon truc, moi. Ah, rien, non, moi je suis cadre. C'est vrai ? Vous êtes capitaine ? Félicitations. Rien, je suis pas bien. C'est incroyable quand même. Oui. Une tournée avez... pour le capitaine. Oui. De oui. Oh, yeah, tiens, c'est il est monté en flèche quand même. Hein. Oh, yeah, moi, je suis c'est incroyable. C'est d'un côté vu le travail qu'il donne. Oui, hein. On espère vraiment que la LSPD sera meilleure, hein, parce que c'est vrai que bon, les coups de couteau, on touche les dames, c'est compliqué quand même. Faut remonter ça. Tout ce qui est nettoyage, vitres. C'est très bien les nettoyeurs. On adore ça les nettoyeurs. Ah oui oui, faut les descendre tous. Tout ce qui est taco. Ouais ouais. Ouais, hola hola, faut les descendre, hein. Tout nettoyer. Les rues, je fais plus tout ce qui est commissariat ou les gens qui m'appellent pour vous descendez vos propres. J'ai nettoyé dans ces troupes même. C'est vrai que Dame Delis, vous prenez quoi ? Ils rentrent pas dans les clous. Mais. Donc, quels clous ? J'ai pas compris. Faut faire du nettoyage, hein, du tri. C'est important le tri. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut bien trier ces déchets. Surtout qu'on arrive au printemps. Ah, c'est où ? Vous avez plus. Ah, bah oui, en plus, on a une région qui s'appelle Printemps et qu'elles sont bien. Ah, c'est vrai ? Oui, j'ai ouais. Là... Ah oui, bah merci. C'est d'eau qui met le feu à la peau de l'ours. Ouais, ah bah c'est bon. Engage d'une bonne amitié entre le capitaine et Sénéchal. Oui, ouais, moi c'est vraiment qu'il y a ton entretien par contre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai, qu'est-ce que c'est ça ? Ah, je vais donner des balles. Ah,
Ah, ah oui, moi j'ai pas d'armes, je suis pas très arme en fait. Oui, mais c'est beau quand même. C'est un geste. On est plus dans le dialogue. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, hein. Mais non. Ça réfléchit là-haut. Ah bah oui, moi je réfléchis souvent quand même. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps à réfléchir. Eh oui. D'où le chapeau, faut protéger tout ça. Oui, il faut protéger ses idées. Oui, c'est pour protéger les oreilles aussi, parce que j'ai les oreilles sensibles. Ah oui, parce que des fois aussi on entend des choses, ça nous énerve. Pour la tournée, vous voulez quoi? Je m'énerve pas trop, ça va. Il faut qu'on tourne. Très bien. Vous êtes droit dans vos bras. Ah, j'ai pas la blague déjà. Je porte pas de bottes, mais c'est vrai que je suis assez vite. Est-ce que vous souhaitez du 1010? Allez. Adolie ne boit pas. Jamais. Non, d'accord, ok. Bon, bah ça c'est fait. Ah oui, tu bois même pas des jus d'orange, oui. Des jus de pomme. Ah non, elle mange pas, elle boit pas. Les jus de fruits de la ferme, pressés dans l'heure. La facture. Ah oui, d'accord. Oui. Bah moi, c'est le contraire, tout ce qui n'est pas d'alcool, je comprends pas l'intérêt. J'ai en fait à qui la facture de la tournée? Vous n'acceptez que l'alcool? Pour moi. Bah y'a que ça que j'aime bien, j'aime pas l'eau, j'ai pas les jus, j'ai pas trop. C'est votre corps qui refuse le reste, c'est ça? Ah c'est terrible ça. C'est une sorte d'allergie aussi, c'est ça? Vous êtes allergique à tout ce qui n'est pas alcool. On peut dire ça, mais les médecins ils veulent que j'arrête de boire en plus alors. Alors les médecins, ce qu'on en dit, hein. Ah, bah qu'est-ce qu'on en dit? Oh bah, beaucoup de choses. Ah oui, oui. Ah oui, bah en même temps, ils diront oui. Ah oui, hein. Je peux comprendre qu'il y a un métier compliqué, hein. Mais. Oh là. Moi, ils m'ont dit, une envie pressante. Soit tu arrêtes de l'alcool, soit tu meurs. Et moi, j'ai dit, bah non, mais je veux pas arrêter l'alcool. Voilà. Oui, bah c'est ce qu'ils disent, hein, c'est le code, hein. Ah, du coup, j'ai dit, je bois un peu moins d'alcool, comme ça, je meurs un peu moins. Oui, c'est vrai ça. Mais en fait, j'ai pas trop diminué. Oui. Est-ce que tu peux ramener le Hadès? Le Hadès? Oui, bien sûr. Oula. Normalement, il y a une ici qui est déjà sortie, t'as plus qu'à prendre la. Ah bah. Et du coup, oui, mais c'est qui est celui qui va me payer pour qu'il voit comment que. Mais c'est sûr, sinon je te ramène. Sinon, on peut y aller à deux et on revient avec ici. Ah bah oui, parce qu'il y a. J'avais une petite chaîne ici. Ouais, mais il est en réunion là. Mais c'est pas Corbeau qui a. Ah bah, c'est pas grave, je vais arrêter. Celle qui est sortie, non, c'est moi qui l'ai. Celle qui est au chat. Ah d'accord. Après, il est un peu tard, hein. Dolly peut ramener le Hadès toute seule et aller jouer au château. Hein. Mais quand vous voulez, elle voit quoi, hein? Ah oui, le château, oui. Bah oui. Moi, je serais bien vu. Mais par contre, Dolly n'a pas les clés. Pas les gens mourir, Mais pour rentrer quand même au garage. C'est pas trop mon truc. Je vais demander à Marlène. Mais. Pas pour Dolly va regarder la plaque d'immatriculation. Si on a une. Je suis pas sûre. Hein. Ah! Alors, comment. Alors. Alors, la plaque. Alors, la comment plaque dire comment on peut savoir? Très bien. Bah voilà. Quelqu'un peut me dire la plaque. C'est ce qu'on voulait voir, mais il n'y a pas de plaque. On voit de la plaque. Ah on si. Voit de la plaque de. Du Hadès, 70. FCS 985. On la voit à travers les... Regardez la. Ah oui. Tu vois ça? Ah oui. Coups, regarde. Ah. Tu peux la voir. Ah, faut pas être petit, hein. Oui, il faut avoir des bons yeux aussi. Ah ouais, moi j'ai cherché et tout. J'ai pas trouvé. Ah mais c'est avec ton masque. Ah ouais, je vois après, mais. Ouais, il faut. Ah ouais, c'est dur. Hein. Oui. Ah oui, 70 FCS oui. 985. Oui, bravo. Prends le panier à salade aussi. Ouais, moi je prends, moi. Après, je prends okay. Le fin de le service. Alors, comme ça. Ah, bien, tu peux. Alors, Dolly, 70. C'est 70 FC. C'est le Hadès. Mi. Ah, bah ça, c'est Hadès. Ah mince. Ouais. Mais alors, du coup, c'est Dolly qui. Tu voulais le conduire? Mi. Bien. Tu voulais le clé? Oui. Bien. Et la plaque du celui-là? Oui, merci. Route, personne ne voit. Allez, fermez. Ah. Appuyez le bouton, Dolly. Poup. Ah, ma main, ça là. Non, c'est bon. Ah, d'accord, bah, je vais aller. D'accord. Oh. Ah. Et là? Ah ouais, parfait.
C'est bon, moi faire confiance à le Dolly. Ça va la tête? On va faire beaucoup les secousses. Hein. Oui. Oui, c'est assez compliqué. Et le jour où on est allé chez les Hola Hola, et ben Dolly, elle était à votre place. C'était horrible. Peut-être faire du vomir. Oui, un peu. Hein. C'est, faut fermer les yeux, quoi. Et c'est très compliqué, sinon. Ah non, faut se concentrer. Après, c'est bon. Oui. Pardon, j'ai appuyé sur le bouton. Oui. Ah ouais, tableau le bord, il est bien. Eh oui. Ah, c'est bon, faute, pardon. Dolly adore les gros engins. Hein? Dolly adore les gros engins. Ah ouais, c'est bien. C'est très... c'est lent, donc ça va. Kingfist. On a le temps de voir venir la route. Oui. Aïe. Ah ouais. Bah oui, mais... oui. Bah oui, mais ça c'est... Ah, pas de problème, tout bien. Hein. Attendre, je vais faire on le dessin. Plan. Je vais faire le plan, c'est meilleur. Oh là. Allez loin, allez loin. Enfin, marche arrière. Dolly, descends terre, je vais faire. Fin de service, motoriste, vive le roi. Ça, c'est proche, ça. Oh ouais, c'est bon. C'est bon? Ah ouais. Et le trou, il est là, très bien. À côté de l'euro, oui. Ah, c'est pratique, hein. Il y a tout qui est relié, pas de problème. Oui. Ah bon. Tu vas voir le clé? Oui, Dolly va fermer. Mais non, faut le ranger, c'est meilleur. Oui. Ah oui. Alors. Merci, Dolly. Ah. Wouhou. Et bien voilà, on est pas mal. Bien sûr, ce, mesdames et messieurs, je pense qu'on va se rentrer. Dolly vous remercie, c'était un beau spectacle. Ah, merci à vous de votre présence aussi. Oui. Dolly va se reposer avec de jolis rêves. Ah, bah voilà, faites des jolis rêves. Ah, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe, Gorbo? J'ai la tête collée dans le mur. Ah. Ah, c'est ça l'expression se prendre la tête? Je peux savoir. Ah, ça a l'air d'aller mieux. Je serais qu'il était bugué, mais... Parce qu'on va arrêter là doucement. Se prendre de tête. Ah, c'est bon. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien à regarder vos écrans qui sont tout le temps fermés là. C'est parce que ce ne sont pas ceux-là qu'il faut regarder. Ah. Parfait. Ah, vive le roi. Oui. On est pas mal là. Hop, hop, on va lancer ça. Et ma foi, on est pas mal.
Merci d'avoir été là. J'espère que la kermesse d'archi vous a plu. Je vous souhaite une très bonne nuit et un bon courage pour continuer cette semaine. Et attention à la neige. Tchuss! Oui. Peut-être tu devras aller voir les durs parce que tu sais voir le connard qui est arrivé.